Premièrement, pour dire merci à Guy, puis merci à la chaire Fernand Dumont de me donner la deuxième occasion d'organiser cette table ronde. Donc, je vous explique d'abord le déroulement. Je vais faire une courte introduction juste pour un petit peu placer le thème, puis ensuite, je vais laisser la parole aux différents intervenants. Chacun va faire une petite présentation d'ouverture d'environ 10 minutes, vous exposer un peu comment ils voient cette thématique-là. Puis ensuite, on ouvrira la conversation. Donc, je suis content de voir que malgré la panne de métro, on a réussi à avoir pas mal de monde dans la salle. Donc, gênez-vous pas, on souhaite vraiment que ce soit sous le mode de la conversation. Puis, je vois plusieurs figures connues dans la salle. Donc, on a une expertise aussi dans la salle. Puis, j'espère qu'on pourra discuter largement de ces questions-là. Donc, je vous présente d'abord les trois intervenants qu'on aura aujourd'hui dans l'ordre où ils vont passer. Donc, d'abord, à ma gauche, Yvan Gauthier, qui est le PDG de la Fondation du Grand Montréal et que plusieurs d'entre vous, sans doute, connaissent dans le milieu culturel parce qu'il a été aussi le PDG du Conseil des arts et des lettres du Québec pendant plusieurs années. Et entre autres, au moment où on a lancé le programme Placement Culture, et donc cet élément-là n'est pas anodin pour notre conversation d'aujourd'hui. Ensuite, on entendra Martin Frappier, à ma droite, qui est directeur de la recherche et des communications au chantier de l'économie sociale et qui a eu l'occasion de réfléchir à la culture, puis à la place, disons, que prend la culture dans l'économie sociale, entre autres dans le cadre du renouvellement de la politique culturelle du Québec. Le chantier s'est prononcé dans un mémoire. Et finalement, à ma gauche, on entendra Mélanie Lomsten. C'est bien prononcé. Mélanie qui remplace à pied levé. Donc, j'en profite pour la remercier publiquement d'avoir accepté vraiment de remplacer à pied levé Marie-Josée Parent, qui devait être parmi nous, mais qui a dû annuler. Donc, Mélanie est une artiste, une réalisatrice qui a fait un certain nombre de courts-métrages et qui aussi travaille avec Marie-Josée Parent au développement d'un nouveau projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Destination, qu'on annonce comme étant une ambassade des arts autochtones à Montréal. Donc, Mélanie va nous raconter, entre autres, comment ils sont en train de développer ce projet-là, puis comment ils conjuguent des dynamiques de financement étatique avec des dynamiques plus de financement du privé. Donc, on terminera la série de présentations, disons, par un point de vue qui vient plus du terrain. Voilà, donc, petite introduction sur la thématique. Effectivement, comme le dit Guy, c'est peut-être une question éternelle, hein, celle de la privatisation, enfin, du secteur privé, du rapport entre le privé et l'État dans le monde de la culture. En même temps, c'est une question qui semble refaire surface puis avoir des nouveaux développements récemment. Guy et moi, on a travaillé depuis 2, 3 ans sur des jeunes organisations à Montréal qui conjuguent plusieurs logiques d'action pour développer leur projet. Donc, la table ronde s'est un peu inspirée de ce travail-là qu'on a fait ensemble. Et donc, parmi les nouveaux phénomènes, disons, qu'on voit apparaître, puis dont on aura l'occasion, je pense, de parler aujourd'hui, il y a tout ce que j'appellerais la nouvelle philanthropie dans le milieu des arts. Donc, je faisais allusion avec Placement Culture, où tout d'un coup, l'État a mis en place ce programme-là pour encourager une forme de philanthropie. On a eu aussi des grands coups d'éclat de philanthropie, entre autres dans les grands musées, bien sûr, l'ouverture du pavillon La Sonde à Québec l'année dernière, ou l'ouverture à Montréal du pavillon de la paix. Je ne sais pas s'ils ont ouvert, hein, ils ont ouvert. Voilà. Donc, la philanthropie au Québec, on a comme l'impression que ça se développe de plus en plus. Donc, très curieux d'entendre M. Gauthier, évidemment, sur ces questions-là. Puis ensuite, un autre phénomène qui semble prendre de plus en plus de place dans l'espace, c'est
tout le discours sur l'entrepreneuriat des artistes, hein. On a parlé beaucoup de ça, on en parle encore plus. On demande de plus en plus aux artistes d'être des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce nouveau discours-là? On voit ça apparaître dans les politiques publiques aussi, dans le projet de politique, de nouvelle politique culturelle de la ville de Montréal qui circule, là. La première orientation, c'est entrepreneuriat culturel et créatif. Donc, on sent que l'État, enfin les pouvoirs publics, s'emparent de ce discours-là aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça veut dire, disons, pour les artistes? Donc, c'est ça. Ça soulève tout un ensemble de questions, hein, entre l'État et le privé, quel est l'amalgame entre les deux, quels sont les rôles respectifs des deux, quel type de liberté ça offre aux artistes, quel type de contraintes ça offre aux artistes. Bon, en parlant avec Mélanie cette semaine, on se disait il y a des contraintes évidemment qui viennent de toute forme de financement, donc quelles sont-elles? Puis au fond, ça pose aussi une des questions plus fondamentales de la place de l'art, puis de l'importance qu'on accorde comme société à l'art, puis comment on accepte le financement. Donc voilà, c'est un peu les questions que je mets sur la table. Je vais passer la parole à chacun de mes intervenants pour leur présentation d'ouverture, puis ensuite, je vous invite à prendre des notes puis à préparer vos questions pour la suite de la discussion. Monsieur Gauthier? Merci pour la présentation. Bonjour à Montréal, bonjour Québec. C'est un plaisir de... Alors, merci pour l'invitation. Puis merci pour la tenue de ces conférences parce que personnellement, je trouve que dans le secteur culturel, il n'y a pas vraiment tant de discussions sur les enjeux de la culture. Malgré qu'on soit en plein débat sur une politique culturelle, plein débat, c'est-à-dire en pleine période de réflexion, il n'y a pas tant de débats sur les grands enjeux qui touchent la politique culturelle. Depuis que je ne suis plus au Conseil des arts, je suis à la Fondation du Grand Montréal, puis je suis témoin un peu, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour moi, de connaître comment les secteurs évoluent, l'environnement, la santé, l'éducation. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'ampleur des discussions qu'il y a sur des enjeux. Il y a toujours une conférence, il y a toujours une discussion, alors que dans le secteur de la culture, je dirais depuis quand même plusieurs années, il y a très peu de conférences, de rassemblements, de discussions libres, je dirais comme ça, comme de ce point de vue-là. Alors, merci, c'est important que vous le fassiez, parce que c'est trop peu fréquent à mon point de vue. Alors, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le secteur culturel, proche ou moins, plus ou moins distant. Quand même, à la Fondation, on gère des programmes culturels et on gère surtout des fonds d'organismes culturels qui ont participé au programme Mécénat Placement Culture. On en gère plus de 200 fonds d'organismes culturels. Et c'est pas rien, ça a ajouté plus de 80 millions aux actifs des organismes culturels depuis l'existence du programme, depuis 10 ans. Donc, c'est quand même un impact qui a été important, qui est encore important et qui ne se dément pas puisqu'il y a une liste d'attente d'organismes qui attendent que le programme réponde à leur demande, une liste d'attente qui est plus de 2 ans. Donc, c'est un programme qui a été créé, dans le fond, pour favoriser la diversification des sources de revenus des organismes culturels et faciliter, par l'encouragement de l'État, les organismes à se tourner vers la communauté. Moi, je différencie le financement, entre guillemets, des entreprises, ce qu'on appelle du privé, du financement de la communauté. C'est-à-dire, engager la communauté à financer la culture, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel.
fondamental qu'il y ait cet engagement-là de la communauté, qu'elle prenne la forme qu'elle voudra, que ce soit du bénévolat, que ce soit de la contribution en argent, pour que notre activité culturelle soit plus rayonnante, qu'elle soit plus présente sur tous les territoires. Et c'est comme ça qu'elle s'est historiquement développée, même si on ne l'a jamais mesurée. La philanthropie n'a pas été inventée avec le programme Mécénat Placement Culture. Elle existe depuis des décennies, probablement des siècles, puisqu'elle est apparue, la culture, avec les mécénats des rois. Les premiers artistes ont été parrainés par des régimes monarchiques vers au 16e, 17e siècle, la Renaissance. Alors, il y a toute une histoire, un rapport entre la philanthropie et l'art qui est historique et qui est très important et qui s'est démocratisé dans le sens où c'est pas deux personnes riches dans la société qui financent la culture, c'est une communauté à l'échelle de différentes activités qui contribue au développement des arts et de la culture. Alors, donc moi, je mets en exergue un peu la philanthropie par rapport à l'investissement d'entreprise. Pour moi, c'est un autre élément, même si globalement, on peut appeler ça financement privé, dans l'esprit que c'est distinct du financement d'État, mais dans ce financement privé-là, il y a une distinction qui, à mon point de vue, est fondamentale avec des entreprises qui investissent en culture. Ceci étant dit, je vais vous dire que quand je sais quoi communiquer avec moi pour m'inviter à participer à ce panel de discussion, j'ai été un peu interpellé par le titre, qui ça fait 30 ans qu'on en parle, est-ce qu'il y a une privatisation en cours de la culture? Et là, je dis, je vais m'arrêter à ça, puis je vais vraiment essayer de, c'était sans doute l'objet aussi de ce titre, de susciter une petite polémique. Et donc, je suis allé, moi, sur Wikipédia, sur Larousse, pour avoir une définition du mot privatisation. Alors, privatisation est un transfert de la propriété d'une grosse partie, voire de la totalité du capital d'une entreprise du secteur public au secteur privé. Donc, privatisation veut dire une entreprise d'État qui passe en partie ou en totalité sous le contrôle d'une entreprise privée. Ça, c'est la définition du mot privatisation. Alors, j'ai cherché, j'ai googlé, dans les 20 dernières années, s'il y avait eu un cas qui reflétait une privatisation comme on l'a défini en dictionnaire, tout ce que j'ai trouvé dans les 25 dernières années, c'est un débat entourant Radio-Québec, le prédécesseur de Télé-Québec. Est-ce qu'il faut privatiser Radio-Québec? Est-ce qu'il faut privatiser Télé-Québec? C'est la seule référence que j'ai pu trouver sur une discussion, pas un transfert de propriété, sur une discussion sur une privatisation d'une société d'État ou un organisme d'État en faveur du privé. Donc, je n'en ai pas trouvé, ni au Québec, ni une propriété du gouvernement fédéral, si on ouvre nos horizons dans une vision culturelle large, ou dans une ville. Je n'en ai pas trouvé. Alors, le mot privatisation m'est apparu un petit peu alarmiste comme question. Là, j'ai dit, OK, est-ce que, dans le fond, les questions soulevées par la description de la conférence, on va s'y attacher, on ne devrait pas s'y attacher plus davantage que le titre en lui-même. Alors, on dit que le Québec joue un rôle central dans l'infrastructure culturelle, qu'on encourage de plus en plus les artistes à s'engager comme genre d'affaires, et l'État maintenant encourage l'afflux d'investissements privés. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter, je dirais, d'une transformation d'un certain modèle qui existe depuis 30 ans, 40 ans? Modèle qui existe au Québec et au Canada depuis plus de 30 ans, c'est un modèle hybride.
un modèle hybride où l'État a une responsabilité. Hein, on peut l'appeler maître d'œuvre, être le moteur ou qu'importe, où le secteur privé a une très grande place, les industries culturelles, du livre, du cinéma, de la télévision, des métiers d'art, sont tous des entreprises privées qui œuvrent dans le secteur de la culture depuis des décennies. C'est une partie prenante du modèle culturel du Québec depuis très longtemps. Et il y a toujours eu, comme je le disais, un rôle joué par la philanthropie et le soutien des entreprises par le biais de commandites. Donc, est-ce que, dans le fond, on assiste actuellement à un changement majeur des équilibres, en guillemets, ou des proportions des influences de l'État, des entreprises privées ou de la philanthropie dans la culture? Donc, j'ai regardé un petit peu dans les 5 dernières années, est-ce qu'il y avait eu un désengagement majeur du financement public de l'État? Depuis 5 ans, le constat, c'est resté, on peut appeler ça stable, on peut appeler ça stagnant. Ça dépend du point de vue où on se place. Stable, les gens qui disent ça a été stable, ouf, on a échappé aux coupures des autres ministères. Et stagnant, l'État ne répond pas au développement culturel. Alors, on a le choix des deux termes, mais il y a une certaine, je dirais, il n'y a pas une baisse majeure, et il y a même une augmentation assez importante de financement du Conseil des arts du Canada, qui s'est vu attribuer un budget d'un demi-milliard supplémentaire pour les 5 prochaines années. Et Patrimoine canadien injecte actuellement des montants importants dans l'industrie numérique de la culture. Donc, ceci étant dit, il n'y a pas une illustration du désengagement marqué de l'État. Qu'en est-il du financement privé? Bien, là, je vais vous citer quasiment que je ne peux pas vous répondre, parce que c'est ce que le texte de consultation du ministère nous dit, que le ministère ne sait pas quelle est la portion de financement privé en culture. Dans le texte de consultation qui a été livré pour la politique culturelle, c'est un chiffre qu'on ne connaît pas, la part du financement privé. Ce qu'on sait, ce que je pourrais déduire, c'est que l'industrie culturelle est évaluée à 14,5 milliards de retombées financières et que l'investissement du Québec est environ de 1,1 milliard d'investissement de l'État. Fédéral, probablement un peu la même chose, donc c'est à peu près 25 % du chiffre d'affaires, ce qui a probablement tout le temps été la proportion qui est en cours. Alors, à mon point de vue, est-ce qu'il y a des choses qui bougent, même si ça ne paraît pas dans les chiffres que je viens de citer? Je dirais que oui, il y a des choses qui bougent. Et l'éléphant dans la pièce, dans le fond, qui n'est pas nommé, c'est le numérique. C'est la transformation et le bouleversement qui est en cours. Le numérique est apparu dans la société par la culture, pas par la santé. Interdiction du numérique en santé. On ne peut pas avoir au Québec notre propre dossier médical numérisé, c'est interdit. On ne peut pas avoir, ni par l'éducation, on n'a pas d'école numérique au Québec, c'est interdit. La culture a été le cheval de Troie du numérique dans notre société, donc par la musique, par le film, par le livre. C'est par la culture que la transformation numérique s'est amorcée au Québec, particulièrement au Canada. Et là, il y a des bouleversements majeurs. Ce qu'on appelle encore l'industrie du disque, le disque est en chute libre. Et si vous demandez aux entrepreneurs, aux investisseurs privés, quel est leur avenir dans l'industrie du disque, n'est pas très rose. Mais il y a une nouvelle économie qui se développe, il y a des bouleversements, il y a de nouveaux modèles d'affaires qui sont en train de, pour rejoindre un peu votre présentation, qui sont en train de naître, des gens qui cherchent comment vivre, comment tirer des revenus de cette nouvelle économie numérique. On a entendu les cris des artistes en musique
qui perdent évidemment l'accès à leurs droits d'auteur avec le phénomène du streaming. Donc là, vraiment, oui, il y a un bouleversement et c'est, je pense, la question du numérique qui est au cœur de ces bouleversements-là, dont on ne voit pas les chiffres, malheureusement, parce qu'il y a très peu d'études, et ça, c'est déplorable, qu'il y a très peu d'études sur la consommation numérique actuellement par les jeunes, surtout, parce que ça va avoir un impact énorme sur l'industrie traditionnelle de la culture. Bref, votre question, finalement, elle est pertinente. Il faut probablement s'inquiéter, mais je dirais dans la mesure où on place cet éléphant-là dans la problématique. Très bien, très bien. Très bonne note. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à M. Frappier. Ben, d'entrée de jeu, moi aussi, je veux vous remercier particulièrement parce que dans notre cas, au chantier des communes sociales, on n'est pas des spécialistes du tout de la culture. Hein. On s'y intéresse parce que c'est un mode d'organisation de l'économie sociale qui, historiquement, a soutenu, où la culture a été très présente. Mais bon, notre spécialité, c'est le mode d'organisation des entreprises et davantage en France, au niveau des politiques publiques pour en soutenir le développement. Comme vous êtes davantage des spécialistes et intéressés à la question des cultures, peut-être juste prendre une minute pour présenter un chantier. Le chantier de l'économie sociale, c'est un immense réseau de réseaux qui regroupe à peu près tout ce qui existe en économie sociale, davantage des réseaux sectoriels et régionaux. Mais le chantier aussi, c'est toujours inscrit dans une perspective plus large de transformation sociale. Donc, au-delà des acteurs d'économie sociale, donc des acteurs d'abord et avant tout là, des représentants d'organisations, d'entreprises, on a toujours eu au sein de notre membership, notre conseil d'administration, des mouvements sociaux, le mouvement des femmes, les Premières Nations, et ainsi de suite. Donc, on a élargi très largement, si je peux dire ça comme ça, pour avoir une représentation assez fidèle de l'ensemble des acteurs dans la société qui ont une perspective de transformation, de changement social. Donc, c'est un peu ce que le chantier réunit, c'est un peu ce que le chantier essaie de l'horizon dans lequel il s'inscrit, celui de la transformation. Plus précisément, quand on parle d'économie sociale, ça aussi, c'est important de le placer d'entrée de jeu. L'économie sociale, si je simplifie énormément, c'est grosso modo l'ensemble des OBNL et des coopératives qui se situent vraiment dans une logique marchande, donc qui offrent des produits, des services sur le marché. Je dis que je simplifie parce que quand on dit le mot OBNL, les organismes sans but lucratif, il y en a environ 50, 60 000 au registre des entreprises. Et nous, quand on fait un portrait, malheureusement, il n'existe pas de portrait officiel de l'économie sociale. On travaille là-dessus. Le gouvernement s'est engagé à produire un portrait éventuellement. Mais selon nos chiffres maison, il y a environ 7 000 entreprises d'économie sociale au Québec. On a environ 3 300 du côté coopératif, 3 700 au BNL. Donc, vous devinez que ce ne sont pas tous les organismes en but lucratif qui sont des entreprises d'économie sociale, loin s'en faut, et plusieurs me taperaient sur la tête si j'osais affirmer le contraire. Donc, il y a aussi la grande distinction avec le milieu communautaire et plus largement toutes sortes de missions que les OBNL se donnent. Néanmoins, c'est quand même 7 000 entreprises, c'est quand même beaucoup de gens, entre autres au niveau de l'emploi. C'est plus de 210 000 travailleurs, travailleuses, beaucoup plus de travailleuses que de travailleurs, mais 210 000 personnes, c'est 5 % d'emplois au Québec. C'est plus grand que les secteurs des mines, de l'aéronautique et de la construction mis ensemble. Donc, au niveau de l'emploi, c'est fondamental. C'est un chiffre d'affaires de 40 milliards. Pourquoi je voulais préciser ce que c'est que l'économie sociale d'abord? Parce que, un, c'est très large, ça représente beaucoup de travailleurs, ça représente une façon de voir l'entrepreneuriat un peu différemment. Et considérant la question qui nous était posée, puis je ne l'avais pas vue sous l'angle qu'on vient de présenter, mais quand on pose la question, est-ce que la culture se privatise, je vous avouerai que le chantier de l'économie sociale est présent dans 21 et 25 sous-secteurs, comment on l'a défini, dont la culture, dont la santé, dont l'insertion, dont toutes sortes de secteurs. Et c'est une question qu'on pose dans plusieurs secteurs. Hein. Vous devinez que dans le secteur de la santé, par exemple, avec nos partenaires syndicaux, régulièrement, on a des débats sur est-ce qu'on est en train de privatiser les soins de santé au Québec. On les a entre nous, mais vous les avez eus probablement, sinon vous les avez entendus.
L'enjeu de fond qui se pose sur le plan de l'économie sociale, c'est que au-delà du terme privatisé, c'est quand l'État a été présent et a eu une action très forte dans un secteur d'activité quelconque, que ce soit en culture ou en autre, ou un autre, se retire, certains diraient se désengagent de leur contribution, de leur soutien au secteur, qu'est-ce qui se passe et comment on opère ce retrait-là, tout en continuant d'offrir des services, de développer, de répondre aux besoins. Et souvent, la grande question, c'est entre le public et le privé, qu'est-ce qui est le mieux? Nous, on a tendance à répondre, mais dans le milieu, il y a le collectif. Il y a bien entendu, le privé a un rôle important à jouer en culture comme ailleurs. Le privé peut jouer un rôle important aussi. Mais dans la mesure où, sur certains aspects, il en va de l'intérêt collectif, il y a une forme d'organisation, plusieurs, là, mais si on le réunit sur le vocable d'entrepreneuriat collectif, on utilise de plus en plus ce terme-là, on pourra revenir sur la question de l'entrepreneuriat, mais bon, considérons que c'est l'équivalent de l'économie sociale, mais les entreprises collectives se sont donné des modes d'organisation qui assurent un contrôle collectif des opérations, du travail, de l'exercice d'une mission. On l'a mentionné tantôt en introduction aussi, la culture est présente, ou l'entrepreneuriat, la posture entrepreneuriale est présente depuis plus de 20 ans. Le chantier a eu cette année 20 ans. Le chantier est issu, c'était l'un des chantiers de travail du grand sommet sur l'économie et l'emploi en 96 qui avait été mis sur pied par le gouvernement de Lucien Bouchard. Et dès 96, la culture a coupé une place très, très importante. D'ailleurs, l'une des initiatives qui avait été adoptée dans le cadre du chantier, qui par après est devenu le chantier du système social, l'une des premières et des plus connues, c'est les Journées de la culture. Donc, c'est une culture pour tous. Donc, d'entrée de jeu, il y avait cette volonté, une posture entrepreneuriale qui se développait. Bien entendu, en 96, la grande majorité des organisations de la culture qui étaient sous forme d'OBNL ne s'identifiaient pas nécessairement ni au vocable d'entrepreneuriat collectif ni économie sociale et n'avaient pas du tout cette stratégie-là qui est plus propre à l'entrepreneuriat. Néanmoins, dès le départ, il y avait une proximité entre l'économie sociale et la culture. Notamment sur le fait que l'une des grandes caractéristiques de l'économie sociale, c'est la réponse aux besoins et, je dirais de manière simple, le fait que le capital vient après la personne ou, si on le formule autrement, que l'objectif premier, c'est pas de maximiser des produits, des profits. Si on se donne une coop ou si on se donne un OBNL, l'objectif est de répondre à un besoin. L'objectif est de faire partie les citoyens. L'objectif est de faire passer les citoyens avant le capital. La forme d'organisation est une forme démocratique, donc c'est aussi de démocratiser le pouvoir dans l'organisation. Et ça correspondait assez bien à l'esprit qu'il y avait dans les entreprises culturelles. Dès 97, dans les fonds qui développaient l'économie sociale, c'est 20% environ, et ça s'est traduit, là, ça s'est poursuivi plutôt sur les années qui ont suivi, mais autour de 20% des organisations, des fonds plutôt, qui étaient dédiés à des projets culturels. Donc, ça a toujours été un élément assez important. Nous-mêmes, on a fait différentes consultations et suite, et la base de données de laquelle on travaillait, c'est environ 1000 organisations. Je vous disais tantôt qu'on identifie 7000 entreprises d'économie sociale. Donc, vous voyez que le poids de la culture est fondamental. Nos outils financiers, puis l'ensemble de nos initiatives ont toujours un volet culturel ou un montant culturel assez important dans l'ensemble des opérations. De manière générale, là où on s'est rapproché énormément et où on a eu à réfléchir, c'est au niveau des politiques publiques. Comment l'État, directement, parce que l'État peut être subventionnaire, mais ou plus largement parce qu'il y a des politiques qui permettent aux organisations d'accéder à toutes sortes de mesures, comment l'État peut évoluer et adapter ses programmes, ses mesures pour bien servir l'intérêt. Bien entendu, l'un des éléments caractéristiques de l'économie sociale, je vous l'ai dit tantôt, c'est la participation citoyenne. La possibilité pour le citoyen de contribuer à l'exercice d'une mission,
Dans le cas de la culture, c'est particulièrement évident. C'est le cas dans les grandes villes, c'est le cas aussi beaucoup sur dans les régions. C'est l'occasion de participer à la définition aussi de l'identité d'un territoire, de participer aussi à l'identification des besoins en termes de contribution, des besoins en termes de financement, aussi en termes de produits, de services, ainsi de suite. Donc, il y a un enjeu fondamental autour des organisations d'économie sociale qui tourne autour de la participation citoyenne. Ça a toujours été, et c'est depuis 20 ans que c'est ça. Par contre, il y a une nouvelle conjoncture. On l'a mentionné, les technologies numériques dans ce secteur-là, comme dans d'autres, ont une influence importante. Et il y a de plus en plus d'initiatives qui naissent. Tout le monde connaît à peu près l'ASAT, la Société des arts technologiques, qui est une figure de proue. Mais pour tout ce qui est programme, mesures, soutien, notamment dans le secteur, si je peux dire ça comme ça, du numérique, qui est un secteur d'innovation, il faut reconnaître que souvent les mesures et les programmes qui soutiennent l'innovation ne sont pas en eux-mêmes très innovants et gardent des structures et une façon de faire qui collent à des vieilles réalités. Historiquement, c'est surtout des OBNL dans notre volet de la culture, c'est surtout des OBNL qui composaient les entreprises. De plus en plus, il y a des initiatives qui naissent, qui prennent la forme coopérative. Les programmes ne sont pas adaptés. Donc ça, c'est un défi. Il faudra y remédier. Je pense que c'est un élément central dans notre mémoire, dans nos positions auprès du gouvernement. On a aussi une tendance très forte du secteur culturel à accéder et à prendre en quelque sorte le contrôle pour favoriser l'accès à des lieux de création. Ça aussi, accéder à des lieux de création, il y a de l'immobilier, il y a une capitalisation qui est différente et qui nécessite vraiment de s'adapter et donc de développer des outils financiers qui répondent adéquatement à ces besoins-là. Dans la mesure où de plus en plus l'État se retire, il y a du financement privé, et la question était posée pour garder, sans tomber dans des thèses marxistes, là, mais pour s'approprier les moyens de production, il y a tout un mouvement qui cherche sur le plan de la propriété à se donner des moyens, autant en termes de création, mais autant en termes de services. Donc, une autre grande tendance, c'est la mutualisation des services. Le besoin pour les créateurs de se regrouper, surtout quand c'est des tout petites organisations, et de partager soit des lieux, mais aussi des services, ou même parfois, par exemple, des avantages sociaux, politiques d'assurance ou autre. Il y a cet enjeu-là. Et le dernier enjeu qu'on identifie, mais qui est très, très fort, c'est tout l'enjeu de la médiation culturelle. Les organisations proches du chantier, comme c'est des organisations qui ont souvent une mission sociale, le volet insertion, le volet service aux personnes a toujours été très fort en économie sociale. Donc, la culture, de plus en plus, est apparue comme un moyen aussi d'intégrer d'autres problématiques sociales. On s'inscrit, bien entendu, dans une perspective de développement durable où le quatrième pilier qui a été reconnu est celui de la culture, mais qui est étroitement intégré aux autres piliers, qu'ils soient économiques, sociaux, ainsi de suite. Donc, la culture devient, en ce sens-là, et là, il y a beaucoup de développement et, bien entendu, un besoin d'adapter ce que l'État offre et comment l'État peut le soutenir. Le travail autour, entre autres, de l'inclusion des services ou des programmes d'intervention des personnes marginalisées. Le dernier point que je soulignerais, c'est l'importance de la diversité ou de l'offre culturelle, notamment à travers les médias. Dans le cas de l'économie sociale, les réseaux de médias communautaires, qu'ils soient écrits de radio, télévision, sont très actifs, mais subissent des pressions, subissent un contexte très difficile, en raison, bien entendu, de la prédominance des grandes entreprises privées, mais il en va de l'enjeu, là, puis dans certaines régions, c'est critique, il en va de l'enjeu de la qualité d'une information locale, mais aussi de la qualité de production qui colle à la réalité du territoire et qui, en bien des cas, là, participe à... On n'aime pas beaucoup le terme occupation, on aime mieux le terme développement des territoires, mais si on se réfère aux politiques gouvernementales, ça devrait participer plus activement à l'occupation du territoire. Et cette diversité-là, dans le contexte actuel, nécessite, et je
pense, devient absolument obligatoire d'adopter une posture un petit peu plus entrepreneuriale pour trouver et chercher le succès de ces opérations. C'est la raison pour laquelle, et je termine là-dessus, au-delà des programmes qu'il faut adapter, au-delà du financement et des outils financiers qu'il faut essayer d'innover pour répondre aux besoins, l'une des recommandations qu'on met de l'avant, c'est l'importance de travailler à l'accroissement des compétences entrepreneuriales dans la culture, parce que effectivement, on pense que le contexte est absolument incontournable et non seulement des compétences en termes de gestion, de financement, mais plus largement en termes de développement d'organisation pour répondre à l'ensemble des besoins, notamment de regroupement, de mutualisation, ainsi de suite. C'est, on pense au chantier, une façon que l'économie sociale va pouvoir contribuer à répondre en quelque sorte à une tendance vers la privatisation en refusant en quelque sorte que le privé qui est parfois motivé par des buts lucratifs, ne s'approprie pas ou n'a pas un rôle indu en culture ou plus qu'il devrait et qu'on garde un aspect de contrôle collectif sur l'organisation. Super, excellent. Merci beaucoup. Très intéressant, j'ai pris beaucoup de notes. Et je passe la parole pour la dernière intervention à Mélanie. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous expliquer un peu mon rôle à temps plein. C'est gestionnaire pour l'organisme Destination, qui est une future ambassade culturelle autochtone qui a pour objectif d'être construite dans le Vieux-Port de Montréal. L'idée est d'avoir un espace qui permet de faire rayonner les cultures autochtones dans ce lieu-là, qui va être construit sous une architecture autochtone. Dans le fond, en ce moment, l'organisme, ça fait depuis 2014 qu'il existe, puis on a des fonds diversifiés qui nous permettent d'exister. Mais c'est surtout des fonds étatiques qui nous permettent de faire notre travail. Notre mission, ça serait vraiment de diffuser, de promouvoir, d'avoir un espace qui permet la production culturelle autochtone de se déployer, de se faire sur place aussi avec des espaces où il y a la pratique culturelle, les pratiques culturelles qui sont amenées et partagées par les aînés, les jeunes. D'avoir un espace où il y a une salle de spectacle, une salle d'exposition, un jardin intérieur, une boutique, un café, vraiment un grand espace multifonctionnel finalement, avec un espace de coworking où vont s'installer des organismes culturels autochtones qui sont déjà basés à Montréal, notamment le Wapitin Mobile, Espace culturel Ashkan et plein d'autres. L'organisme Destination, c'est vraiment un besoin qui est venu de la communauté depuis les années 80, d'avoir un espace, un lieu où on peut sentir qu'on est chez soi, puis qu'on peut produire, puis que c'est valorisé, et que ce soit non seulement pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Québec, du Canada et les Autochtones d'ailleurs, mais aussi pour la société canadienne et les touristes. Donc, on demande un premier budget à la ville, au fédéral, à la province et au privé pour la construction du lieu de 50 millions. Donc, la ville, c'est 5 millions qu'on demande. Le fédéral, c'est 25 millions. La province, c'est 15 millions. Et le privé, c'est 5 millions. Donc, vous voyez que la place du privé est quand même minime par rapport à ça parce que c'est important pour nous, selon nous, mais aussi selon les gouvernements, et on l'espère, d'encourager un tel lieu culturel qui permet d'avoir, parce qu'il n'y a aucun espace en ce moment à Montréal ou même au Québec qui joue ce rôle-là, fédérateur, rassembleur. Et on croit que c'est important que l'État s'investisse dans un tel projet. Donc, à suivre pour la partie construction. Et lorsque le lieu sera construit, on va vraiment fonctionner avec une billetterie finalement. Puis la billetterie, c'est ce qui va permettre la création de 72 emplois dans ce lieu-là. On croit que les gens sont intéressés à découvrir les cultures autochtones, puis que d'autant plus les producteurs culturels autochtones, ils sont plus que prêts de créer, de partager leur connaissance, leur savoir, d'avoir un espace où ils sentent qu'ils sont chez eux, qu'ils ont une place dans la société. Et donc, c'est vraiment un projet, si on veut, qu'on voit comme ça, un projet citoyen, mais un projet qui, à notre avis, est aussi devrait à la base mettre de l'État, puis ensuite on souhaite avoir une indépendance au niveau des fonds
peut-être faire aussi, lorsqu'on va être, ça va être conçu, une campagne de levée de fonds pour certains projets spéciaux et ou aller chercher des fonds étatiques pour des projets spéciaux particuliers, ponctuels. Donc, ça, c'est à voir, mais il y a un plan d'affaires qui a été mis sur place et c'est ce qu'ils sont en train d'examiner en ce moment, les différents paliers de gouvernement. Il y a beaucoup, il y a tellement de choses à dire en 10 minutes, je pense pas que j'aurais le temps de tout dire, mais un des projets sur lequel on a travaillé l'année passée, c'est le projet de recherche CIVITAL. On l'a travaillé avec un groupe de chercheurs de différentes universités, autochtones, non-autochtones, avec une méthodologie de recherche autochtone. Et l'objectif, c'était de mieux comprendre la production culturelle autochtone au Québec. Qu'est-ce qui se produit, pourquoi, dans quelles conditions? Quels sont les souhaits des producteurs culturels autochtones au Québec? Et on ne voulait pas en milieu urbain, donc dans cinq villes, Sept-Îles, Val-d'Or, Montréal, Québec, Chicoutimi. On a fait le projet en 8 mois. Ça nous a pas, on n'avait pas beaucoup de temps, mais on a rencontré plus d'une centaine de producteurs culturels dans chacune des villes à travers des services d'éducation, des entrevues individuelles. De ça, on a fait un résumé de ce qu'on a compris, de ce qui est important pour les producteurs culturels autochtones dans leur réalité contemporaine. Il y a plus d'une centaine de pratiques culturelles qui sont faites par ces gens-là, que ce soit musique, artisanat, canot en écorce, chant de gorge, il y en a des tonnes, puis souvent les artistes autochtones sont multidisciplinaires. Il y en a qui produisent dans leur communauté, donc ils vendent leurs produits dans la communauté, il y en a qui ont leur propre entreprise, finalement, pour déployer leurs projets de théâtre, musique, etc. Et il y en a qui travaillent, il y a des organismes culturels, finalement, qui portent des projets. Il y a une grande diversité de réalités, puis c'est ce qu'on s'est rendu compte, malgré qu'on a justement rencontré 100 personnes, mais on a comme touché la pointe de l'iceberg de probablement quelque chose qui est encore plus gigantesque, et on vise à poursuivre la recherche dans le futur, dans l'avenir, mais il faut se... Au Québec, il y a 11 nations, il y a 54 communautés, il y a vraiment une grande diversité de réalités également dans la population autochtone, et c'est important de noter que la recherche qu'on a faite, on l'a travaillé avec un comité de suivi dans lequel il y avait le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, il y avait Tourisme autochtone Québec, la Commission de développement des ressources humaines et des Premières Nations du Québec, qui était présent à 4 rencontres à partir du début du projet de recherche jusqu'à la fin, pour nous aider à orienter et à comprendre quelles sont leurs réalités, quelles sont leurs priorités et préoccupations par rapport aux producteurs culturels autochtones, et comment est-ce qu'ils sont prêts à adapter ou changer leur programme justement pour que les producteurs culturels autochtones se retrouvent là-dedans puis puissent envoyer leurs demandes pour avoir des subventions pour leurs projets. Donc, il y avait une grande ouverture de ces organismes-là, elle est encore là, de changer, d'adapter leur programme pour que les producteurs culturels autochtones puissent être au courant que ça existe, faciliter l'accès au financement et finalement avoir des programmes qui représentent davantage leur réalité, parce qu'on s'entend qu'il y avait un vocabulaire qui n'était pas tant adapté, et c'est pour ça qu'il y avait aussi un soutien par moment qui n'était pas aussi grand pour les producteurs culturels autochtones. Et donc, on a vu énormément de changements. Le CALC et le CAM ont changé leur programme, ils ont adopté notre langage aussi, se sont ouverts à une autre vision du monde, et ça, c'est, je pense, un exemple concret de comment est-ce que, en travaillant ensemble pour des projets pour les citoyens, on peut, avec des organismes étatiques et aussi le système privé, on peut mieux comprendre les réalités d'une partie des citoyens, puis l'adapter pour qu'il y ait une plus grande valorisation de la culture et des projets culturels. Donc voilà. D'ailleurs, dans le rapport qui est disponible en ligne sur notre site destination.ca, on a des recommandations à la fin qu'on a adressées directement à tout le monde, finalement, c'est public, c'est à tous, et où une des priorités, c'est le financement, la reconnaissance
la transmission et le rayonnement. La transmission parce que la culture ne peut pas exister et se poursuivre, en, du moins par rapport aux identités autochtones, si elle n'est pas transmise, si on n'a pas, on valide pas les espaces de transmission culturelle. Donc, voilà, ce rapport-là, il est libre de droit, il appartient à tout le monde. Et on a mentionné aux producteurs culturels autochtones qui peuvent également l'utiliser pour défendre leurs droits, faire connaître leur réalité, leur vision du monde. Et voilà. Donc, ça, c'est un des projets sur lesquels on travaille. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui sont hybrides au niveau du financement, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est une réalité. Aujourd'hui, oui, il y a des engagements de l'État, mais l'État, il faut se rappeler, on est des citoyens, on participe à des élections. Ils ont une certaine responsabilité aussi de s'occuper de ce volet-là de la culture. Puis, je ne sais pas la dynamique, comment est-ce que ça a commencé, ça s'est terminé, c'est-tu des engagements de l'État ou un plus grand engagement de privé? Qu'est-ce qui a fait qu'on est entendu là? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes culturels autochtones, non-autochtones, qui n'ont pas le choix et qui vont aller chercher des financements, des fondations, de l'État, du privé, des levées de fonds, etc. C'est une réalité. Par exemple, quand je travaillais avec Véco, on avait cette grande diversité de fonds qui nous permettait de faire les projets à vocation sociale, culturelle. Même chose pour le WebChain Mobile, qui a aussi ce type de financement-là. Je pense, par contre, à d'autres organismes qui veulent peut-être garder une plus grande indépendance vis-à-vis l'État, comme Amnesty International, qui se finance que par des dons privés. Donc, il y a une diversité de portraits de comment est-ce que les organismes décident de se financer et d'exister, mais je pense qu'on est à un point où on n'a pas le choix d'avoir une diversité de financement. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, je vais juste le constater. Et puis, je dirais que oui, il y a une autre part de. Par exemple, moi, j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Mikana, puis l'objectif, c'est de sensibiliser les gens sur les réalités autochtones. On a créé cet organisme-là. Pourquoi? Parce qu'on voyait que le besoin n'était pas comblé par le gouvernement. Donc, il n'y avait pas de service, de programme, rien qui visait à sensibiliser, finalement, les gens sur les réalités autochtones pour combattre le racisme et les préjugés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas le choix. On a décidé d'agir parce que si on doit attendre parce qu'il y a des démarches qui se font dans l'État, on va attendre longtemps. Donc, c'est sûr que l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qui aujourd'hui est fort présent parce qu'on a l'impression qu'il y a peut-être des besoins, des attentes, des réalités qui ne sont pas représentées ou comblées par l'État. Et donc, on va vers ça. Mais si l'État développait davantage de programmes était plus innovateur pour certaines choses, peut-être qu'on aurait moins besoin de faire ça. Et finalement, c'est nous qui décidons qui est au pouvoir, puis qui sont les élus, puis qui mettent l'argent dans quoi. Donc, il y a quand même un lien par rapport à ça qui est différent qu'avec le privé. C'est les fondations, les dons privés, c'est pas des fonds qui viennent, qui sont directement liés à notre rôle de citoyen, finalement. Je trouve, mais j'ai aucunement contre les fondations puis le privé parce que si ça peut permettre à ce qu'il y ait des projets culturels plus risqués ou peu importe qui aillent de l'avant, mais tant mieux. C'est juste que je crois qu'il faut faire attention à ce que ces projets-là représentent encore nous qui nous sommes et les priorités de tout le monde finalement puis les aspirations de tous les citoyens et non d'une partie de citoyens décide que c'est ça la priorité actuelle en 2017. Fait que, voilà. C'est comme plein d'autres choses à dire, mais... ce n'est que le début de la discussion. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, trois présentations très stimulantes pour commencer. Merci à vous trois. Donc, on va ouvrir la discussion à la salle. Je vois déjà des mains qui se lèvent, alors c'est bon signe. Excellent. Donc, je vais tout de suite lancer à la salle. Peut-être
préciser si vous adressez votre question à une personne en particulier ou si vous souhaitez que tous les intervenants commentent. Madame? Ben, ça reprend un peu ce que Madame vient de dire, mais la question, ça présenterait davantage à vous qui avez été donc à la tête du Conseil des arts dans un mode de financement de manière privée, vous êtes venu à la Fondation Montréal qui se comprendait qu'un mode de financement privé. Donc, vous avez été les deux, vous avez vu tous ces artistes qui ont fait des démonstrations aux uns et aux autres pour avoir du financement. Est-ce que, comment vous répondez à l'interrogation de madame à savoir si la démarche se ressemble d'un mode de financement à l'autre, et si, quelles sont les conceptions qu'il faut faire pour décider de faire un mode de financement? Peut-être bizarrement, il n'y a pas tant de différence que ça. Le mode d'une organisation financée à 100% par l'État, ça n'existe pas. Il y a 12 sociétés d'État qui vivent cette situation-là au Québec, puis c'est tout. Il n'y a pas d'organisme au Québec financé à 100%. Il n'y a aucun modèle de pays, à part la Corée du Nord, où ça existe. Donc, le modèle tout financé par l'État, peut-être au point de départ, l'État va dire « Ok, je lance un organisme », mais l'organisme, quand il est financé par l'État, l'État exige qu'il y ait le soutien du privé, qu'il y ait le soutien de la communauté. C'est une condition du soutien de l'État. Alors, il n'y a pas nécessairement un écart. Deux, l'État a ses critères. Et c'est des critères qui excluent beaucoup d'organismes. La question de l'excellence, par exemple. C'est toujours actuellement les critères des conseils des arts, la notion d'excellence, de l'excellence artistique, en guillemets, qui est assez floue, parce qu'elle est définie par les membres des jurys, dans le fond, qui composent les comités de sélection. Et cette notion-là d'excellence, par rapport à tout ce qui se développe actuellement, d'initiatives de la communauté, et je prends comme exemple le projet, là, il y a comme un écart qui existe entre ce que vous venez de dire, les programmes de l'État et la nouvelle réalité, les nouvelles initiatives de la communauté qui ne répètent pas nécessairement ce que les autres générations ont fait comme modèle d'organisation. Bon, et c'est sûr que l'État est congestionné parce que il y a de plus en plus d'organismes qui se créent et son budget, je l'ai dit tantôt, est stable ou stagnant. Donc, c'est clair que il y a une congestion dans la réponse que peut donner l'État à tous les projets. Il y a des gens qui se découragent, qui disent « moi, je ne retourne plus, ça quatre fois, je suis refusé » et qui vont, là, développer d'autres modèles. Et là, chez nous, comment ça se passe? C'est un peu semblable. On a des critères aussi. Nous, ce qu'on favorise, ce qu'on privilégie, c'est le développement de l'art dans la communauté. Donc, les conseils des arts existent, font leur travail. Nous, on fait d'autres choses. C'est l'intégration de la communauté dans les arts et de l'art dans la communauté. C'est un lien symbiotique, une synergie qu'on veut qui existe. Autant on veut que la communauté s'occupe de la culture, autant on veut que les artistes s'occupent de la communauté, que le mouvement de la culture s'occupe des enjeux de la communauté. Alors ça, c'est notre angle à nous. C'est bien sûr qu'on ne peut pas accepter non plus tous les projets, toutes les initiatives. Il y a un filtre qu'on s'est donné, qui est celui-là, et on intervient par ce filtre-là. On a un comité de sélection, donc il n'y a pas une personne chez nous qui décide. On a 500 fonds qu'on gère, et il y a des fonds dédiés à la culture, il y a un comité de sélection et l'argent, la distribution des sous se fait de cette façon chez nous. Alors, chaque fondation a un peu ses façons de fonctionner, le chantier a sa façon de fonctionner lui aussi, et c'est ce qui fait, à mon point de vue, de ce pluralisme-là
est fondamentale pour répondre à tous les besoins qui se développent. L'État, c'est impossible qu'il réponde à toutes ces demandes. L'État a un rôle qui s'est donné, c'est celui encore de soutenir l'excellence par ses conseils des arts, en tout cas. Et le ministère fait un certain travail pour diffuser la culture plus largement auprès des citoyens. Mais pour tout l'ensemble d'autres initiatives, je pense que c'est extrêmement sain qu'une société trouve d'autres sources de financement que les simples critères de l'État, sinon ça va éclater. Et les gens vont créer, on va recréer tout ce qui existe. Vous êtes d'accord pour dire que l'État est novateur? Ben, l'État a un rôle. Est-ce que c'est son rôle d'être le plus novateur? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a une écologie qui se crée, recrée constamment. Est-ce que vous me dites que l'État devrait mieux s'adapter aux réalités? Ben, moi, quand j'ai mentionné tantôt toute la question du numérique, je pense que là, il y a un enjeu majeur où on passe à côté de beaucoup de choses. Là, il y a une adaptation, puis on voit que l'État fait son plan numérique, mais l'argent, c'est minime par rapport au soutien à la pratique traditionnelle des arts et de la culture, et canadiens, et des villes. Est-ce que, Mélanie, tu voulais commenter sur ça, notamment sur la question de l'excellence artistique, parce que tu as un peu touché à ça aussi par rapport aux arts autochtones, hein, comment on définit l'excellence, puis qu'est-ce qui est pas peu semblé excellent? Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est peut-être un des trucs qui bloquait, en guillemets, certaines conceptions ou visions de voir les choses dans le milieu autochtone. Quoique, on a remarqué aussi en rencontrant des artistes qu'il y en a qui sont plus dans l'art contemporain et qui sont passés par les universités, donc ils développent un langage comme la reconnaissance par les pairs, qui sont à l'aise avec le principe des jurys. Mais il y a beaucoup aussi d'autres personnes qui sont des artisans, qui sont d'autres artistes maintenant qui se retrouvent pas, se reconnaissent pas trop dans ces choses-là, ces visions-là de l'excellence. Puis qui vont pas nécessairement penser à aller voir les conseils des arts pour se faire financer parce que ça fonctionne déjà, ils vendent déjà leurs produits dans leur communauté ou à travers le tourisme. Donc, il y a aussi une forme d'entrepreneuriat finalement qui existe. C'est sûr que les conseils des arts, quand on a fait le projet de recherche, étaient conscients de ça. Puis, donc, on a essayé de d'élargir un peu les façons de voir avec le rapport. Oui. Moi, j'aurais juste une réaction. En fait, quand on parle de l'État, il faut se rappeler que l'État, c'est une créature collective qu'on a construite pour répondre à des besoins collectifs. Après ça, on peut définir, et l'État s'amuse allègrement d'un gouvernement à l'autre, à redéfinir les zones où il considère que c'est sa prérogative, c'est obligatoire, et là où il va plus loin. Là où on questionne rarement quand il s'agit de financement, c'est de distinguer les types de financement. C'est drôle, quand une entreprise de construction construit des routes, c'est la responsabilité de l'État qu'il y ait des routes qui soient entretenues. Mais on appelle ça un contrat, on n'appelle jamais ça une subvention. Quand on tombe dans d'autres domaines, et c'est le cas, au niveau de la création de l'art, je pourrais moins en parler, mais par exemple, loisirs culturels, il y a beaucoup d'organisations communautaires, entre autres, qui étaient financées quasi exclusivement par l'État, parfois pour une mission très générale, mais parfois aussi pour la prestation de services, d'activités très précises. Si l'État juge qu'il est de sa responsabilité de financer ces activités-là, pour toutes les raisons idéologiques ou autres qu'on peut imaginer, est-ce qu'on doit nécessairement appeler ça une subvention? Est-ce que parfois, puis là je ferai le parallèle avec d'autres services au niveau de la lutte à la pauvreté, de l'insertion, et ainsi de suite, parfois on appelle subvention ce qui, à mon avis, est une entente de service ou un contrat passé avec une entreprise qui répond à un besoin que l'État a décidé de ne pas prendre en charge par lui-même, autrement qu'en le finançant. Ce n'est pas pour autant tout le temps une subvention. Oui, intéressant comme point de vue. Christian. Vous n'avez pas parlé d'une certaine manière de manquer de programme innovateur. Quel serait un programme innovateur dans le coin? Soit les grands paramètres, soit
ce qui manque, c'est où est-ce que ça devrait apparaître. C'est bien beau de dire que ça manque, je suis assez d'accord. Mais ça serait quel genre de programme qui serait innovateur ou qui répondrait à des choses d'innovation? Je pose la question en trois. Oui, c'est une question difficile. Tout le monde prend un petit moment pour y penser. Tout le monde peut être long. Mais Mélanie, puisque tu avais l'air de vouloir te lancer. Ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je serais capable de répondre. Il y a plusieurs définitions, je crois, mais j'ai l'impression des fois, innovation, en tout cas pour moi, c'est des projets qui arrivent à répondre à des besoins qui n'ont pas été encore répondus de façon plus créative, mais c'est sûr que ça peut aussi être un mot qui est utilisé à toutes les sauces pour montrer que ton projet est meilleur que l'autre. Non? Donc, c'est ça, c'est innovation, c'est un terme qui est à débattre, j'ai l'impression. Pas sûr que je serais capable d'identifier un programme précis qu'il faudrait inventer de toutes pièces, mais de notre point de vue, c'est là où il y a matière à innovation, c'est dans l'adaptation de certains programmes. Tantôt, je vous le mentionnais, pendant très longtemps, si on parle du secteur culturel, l'essentiel des organisations était sous forme d'OBNL. De plus en plus, on voit des organisations qui se créent sous forme de coopératives, mais qui n'ont pas accès à des programmes parce qu'il y a un libellé ou simple que ce programme est réservé aux OBNL. Mais sous la forme coopérative, bon, c'est un peu complexe, hein, il y en a plusieurs sites, mais il y a une forme de coopérative qui est coopérative de solidarité, qui pour l'essentiel est grandement assimilable à un OBNL. Puis, dans tous les jours, là, les opérations, il n'y a pas une énorme différence. Pourtant, ces organisations-là ont passé au fond. Donc, il faut. Ça dépend. Mais dans bien des cas, c'est plus difficile ou il y a des critères d'exclusion. En termes de programme, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup de la diversification des fonds, des sources de financement, et de plus en plus, les montages financiers sont complexes, impliquent toutes sortes de partenaires, et effectivement, en tout cas, dans notre cas, sur le plan de l'immobilier, de l'accès à des espaces de création, il y a un besoin qui dépasse la demande, l'offre plutôt, et en ce sens-là, il va falloir que, et on souhaite que dans le prochain budget, mais sinon dans d'autres, et qu'on adapte et qu'on réinvestisse, mais aussi qu'on ouvre à des nouvelles formes de partage de lieux de création, et ainsi de suite, et qui répondent un peu plus à des solutions plus flexibles, en tout cas, puis qui ne rentrent peut-être pas dans les manières de faire que historiquement on a eu. Si je peux vous relancer, juste avant de vous passer la parole, vous nous avez parlé aussi de développer des nouveaux outils financiers plus adaptés. Qu'est-ce que vous avez en tête? Il y en a une partie où, en fait, au moins, le principe a été mis de l'avant. Au chantier, dès le départ, en 96, quand on a commencé à se mettre sur pied, la première évidence, c'était l'accès au financement. Et on devait trouver des façons de financer des projets. L'enjeu du financement social des projets collectifs, c'est qu'il n'y a pas de capital, donc il n'y a pas de propriété individuelle. Personne ne peut arriver et mettre un montant sur la table et dire « je pars un projet sur la base ». On doit collectiviser les projets. Et comme c'est collectif, comme c'est pas quelqu'un sur le coin d'une rue ou trois personnes sur le coin d'une rue qui se rencontrent et disent « on a un projet collectif », ça prend plus de temps, il faut le construire, on a une concertation avec le milieu. Donc, il y avait un enjeu de développement dans le temps qui était difficile à soutenir. Et ce que le chantier a beaucoup travaillé à travers ces deux outils financiers, le RIS, le Réseau d'investissement social du Québec, et la fiducie du chantier de l'économie sociale, c'est développer une approche de capital patient. Et donc, qui vise, c'est du capital de risque pour l'essentiel, mais qui vise à trouver des modalités de remboursement des prêts qui tiennent compte du rythme de développement des projets. Une des formules, c'est un congé sur le remboursement du capital pendant 15 ans. On ne rembourse que les intérêts, qui donne une marge accrue pendant les 15 premières années pour se développer. Et qui tient justement compte du fait que ces projets-là sont plus longs à développer. Par ailleurs, on dit sont plus longs à développer, mais il faut pas oublier, en tout cas pour notre secteur, que non seulement sont plus longs à développer, mais sont plus durables. Dans le cas des coopératives, on n'a pas les données pour tout le monde, mais dans le cas des coopératives, le taux de survie est près de 20, plus du double des entreprises privées traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont ancrés dans la communauté, parce qu'ils répondent à un besoin. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué, il faut développer des solutions qui répondent à ça,
Mais à terme, c'est... Puis dans le portefeuille d'investissement Québec, le portefeuille de placement, les analystes vont tous à peu près dire la même chose. Les meilleurs payeurs, c'est les organisations d'économie sociale. Parce qu'effectivement, comme personne qui est dans son intérêt personnel et purement pécunier, ont une perspective, puis là on revient à la notion de développement durable, même au sens purement économique, ont une perspective de durée dans le temps qui est très importante. La question de Christian est bonne parce que, dans le fond, on a un problème de structure qui fait que c'est difficile d'avoir des visions innovantes. Parce que quand on pense en culture, il y a comme un schéma. Je fais-tu de la création? Là, c'est un programme pour la création. Est-ce que je fais de la production ou de la diffusion? Là, il y a des cases, des structures. Et ça, c'est ça qui est remis en question actuellement. Parce que l'artiste, maintenant, fait à la fois sa création, sa production, sa diffusion. Lui, il n'y a plus de cases. Et là, lui, il a peut-être besoin d'une plateforme collective pour diffuser son œuvre. C'est peut-être ça, mais où est ce... Tu ne peux pas faire valoir ce besoin-là, ce projet-là. La structure n'est pas faite pour accueillir le développement, l'abolition des frontières, de tous les intermédiaires qui existent entre l'artiste et la communauté. On parlait de mutualisation, quelle plateforme d'édition de livres numériques pour les artistes à leur propre compte? Ça n'existe pas. Ben, il n'y a pas de place pour financer ça non plus. C'est trop menaçant pour la structure traditionnelle. Il faut penser qu'il y a des structures d'accueil de projets qui se transforment pour penser à de l'innovation, qu'on laisse de la place à de l'innovation. Je pense que ça aussi, ça fait partie du contrat pour donner des conditions d'innovation. Et c'est la même chose, juste pour résumer, les projets qu'on voit, nous, mélangent les secteurs sociaux. La culture travaille avec le développement social et l'environnement. Là encore, on a des cases environnement, des cases développement social, des cases culture. Tout l'État est organisé en cases, la culture encore plus de petites cases. Ben, et là, ce qu'on voit dans la réalité, c'est d'exemples comme Mexico, je reprends le cas, Mexico qui s'occupe d'itinérance, qui a créé une bibliothèque pour les itinérants, une bibliothèque mobile. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est social? La culture va dire c'est bien plus social. Les gens sociaux, ben non, ils font une bibliothèque, c'est culturel. Fait que c'est nulle part. Et donc, ces cases-là, c'est ça qui est en train de changer. Il y a des projets qui mélangent, le centre qui est en train de se créer va mélanger plein de choses. Et je pense que là, il y a une nouvelle réalité qu'il va falloir tenir compte pour tout le monde. En vous écoutant, ce qui me frappait, c'est deux réalités étranges qui ont émergé, finalement, entre l'économie et l'État. C'est les fondations privées, d'un côté, et l'économie sociale de l'autre. Les fondations privées sont des organismes privés, qui ont un mandat ou une mission philanthropique collectiviste. Nous sommes une fondation publique. Oui, ok. C'est une notion. Oui, oui. Alors, peut-être que j'avais eu vraiment tant que ça, des divisions, et c'est plus l'abstraction qui. L'économie sociale, qui est bon, je crois que je veux dire, que ça se situe l'économie sociale par rapport à la vraie économie, au milieu économique. Vous voyez mes oreilles. Non, mais ça crée une tension. Ça crée quand même une tension à l'intérieur, il me semble, autant que les fondations privées peuvent bousculer ce qui se passe au niveau des sciences de l'État ou des choses comme ça, autant les entreprises d'économie sociale vont bousculer ce qui se passe au niveau de l'économie capitaliste un peu. Je vais tenter de m'inscrire un peu en faux contre la vraie économie. Mais je veux dire, donc, mais une précision, les entreprises d'économie sociale sont des entreprises privées, tous sans exception.
au sens de la loi, sont tous inscrits, soit dans la troisième partie de la loi sur les compagnies, soit dans la loi sur les coopératives. La seule différence, c'est que ce sont, puis c'est le vocable qu'on utilise pour nous distinguer de l'entreprise privée qu'on pourrait dire classique ou traditionnelle, c'est que ce sont des entreprises collectives. Donc, l'objectif n'est pas d'abord et avant tout de maximiser le profit. Hormis, dans certains cas, il y a même des coopératives de travailleurs où l'objectif, c'est de se créer un emploi et de se donner un salaire, donc on pourrait se rapprocher. Et il y a des cas encore plus complexes qui sont à cheval, les coopératives de producteurs, et qui sont aussi dans le secteur culturel. Récemment, la guilde producteurs de jeux vidéo indépendants du Québec, un truc comme ça, c'est un paquet de petits producteurs de jeux vidéo et qui se sont réunis ensemble parce que trop petits individuellement pour faire face aux Ubisoft et autres de ce monde, mais en collectivisant certaines ressources, en mutualisant, en partageant des espaces, peuvent se donner un rapport de force, mais aussi une force de travail plus intéressante. La seule idée en derrière l'économie sociale, c'est qu'on fait les choses différemment. Mais c'est d'abord et avant tout de la vraie économie. C'est un poids immense. Quand je dis, c'est un chiffre d'affaires de 40 milliards au Québec. C'est pas rien. Et il y a des entreprises qui sont comme n'importe quelle autre entreprise sur le marché en compétition. Mountain Equipment Co-op, je présume qu'il y a plusieurs ici qui ont déjà acheté un équipement de plein air chez nous. C'est le cas. Qui est allé avec ses enfants aux Outre-Granby? C'est une entreprise d'économie sociale. La FAP en est un, la TOU, c'en est une qui a mêlé une mission sociale, une mission culturelle et qui en a fait une entreprise étatique. En fait, et les CPE, c'est des entreprises d'économie sociale qui ont dit, encore une fois, et là on revient sur la question de la subvention versus centre de services, on pourra en discuter longtemps, mais c'est intéressant. Et les projets que vous avez nommés, que ce soit l'économie immobile ou autre, ce sont des entreprises d'économie sociale qui jumellent toutes sortes de missions, qui s'inscrivent dans un marché et qui ont une offre et un service à construit pour répondre à un besoin. Quand j'entendais tantôt que la billetterie, chose, et vous, au début, vous nous parliez du financement communautaire, la participation de la communauté, mais c'est que ces entreprises-là, qui ne visent pas le profit, ont quand même senti déceler un besoin ou un intérêt chez la population qui peut être monétarisé, disons comme ça, ils participent à leur financement, mais jamais au détriment de leur mission fondamentale. Et là, on pourrait tomber dans la grande critique du capitalisme. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que la vraie économie, c'est celle-là. Communauté. Communauté, c'est une entreprise privée. C'était à l'origine une entreprise d'économie sociale. Et là, pour le reste de la discussion, on va en faire un coup. Très bien, parce que j'en profite pour sauter sur l'occasion de vous dire qu'il nous reste 10 minutes. Donc, si vous avez une question à poser, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que vous vouliez réagir ou... Mais j'ai pas Québec. Ah, ben là, Guy, je pense que le faire. Ma question, c'était, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une privatisation de la culture? Ah. Parce que c'est... Bon, j'ai compris que c'était... Selon vous, non. Ma réponse simple, ça serait qu'il y a une transformation des modes de financement et de la propriété. Suivant ce que vous avez dit, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de privatisation au sens strict, comme ça a été défini. Mais il y a certainement un glissement, puis sans connotation péjorative, mais un mouvement vers une présence plus forte de l'État directement et une diversification qui est privée ou autre, si on inclut la population. Moi, je pense que la culture, elle est là, peu importe. Dans le sens, est-ce qu'il y a une privatisation de la culture? La culture, elle est là, on la porte, on la transmet, il y a des valeurs qui sont liées à ça. Qu'est-ce qu'on veut faire valoriser? Cet été, des tas comme Radio-Canada, par exemple, laisse tomber de plus en plus des programmes qui pourraient être éducatifs, intéressants, plus culturels. Ils orientent des fois leurs émissions qui sont pas nécessairement super, comment dire, enrichissantes ou qui valorisent le milieu culturel. Ça, je pense, c'est un exemple de désengagement. Puis, il y a de plus en plus, ils vivent avec la publicité, les publicités de voitures. On voit ça, c'est la moitié de l'émission, moitié, Donc, est-ce que c'est... Oui, je pense que dans ces cas-là, visiblement, il y a une privatisation d'une grande chaîne comme celle-là, qui, je trouve, moi, personnellement, dommage, parce que je pense qu'ils ont une mission d'enrichir la collectivité de par des connaissances et savoirs qui
sont essentielles liées à la culture, la santé, etc. Puis j'ai l'impression, moi je suis personnellement déçue de Radio-Canada, je donne cet exemple-là, mais sinon, la culture continue à se produire, peu importe, au niveau, que ce soit dans le privé, dans l'étatique ou par les entrepreneurs sociaux, par être subventionné par différents types de financement, elle va continuer à exister. C'est juste que je pense qu'il y a aussi l'État a un rôle de faire valoriser ça davantage. Puis il faut pas oublier que ce rôle-là, il est important. Puis si on décide que l'État n'a plus ce rôle-là, parce que c'est aussi une attitude qu'on peut avoir, de décider que l'État se désengage. Bon, ben, il se désengage. Bon, alors, on se positionne autrement par rapport au désengagement de l'État. Ou est-ce qu'on devrait juste pousser l'État à s'engager davantage puis essayer de trouver des façons de travailler ensemble collectivement, justement, comme on a souvent dit ce mot-là, mais entre acteurs de la société, les fondations, les entreprises sociales, etc., pour redynamiser là, ce milieu-là puis le faire valoriser ensemble. Très bien. Monsieur Gauthier, j'ai encore deux questions à Montréal. Si jamais vous avez une question à Québec, vous me faites un petit signe. Okay. Moi, je pense que l'État est dépassé. C'est comme, il y a une attente envers l'État qui est comme surdimensionnée. On attend de l'État qui répond, fini ça. C'est à la communauté, c'est aux gens dans la société de prendre en main les enjeux puis de trouver des choses et l'État va réagir, l'État va répondre. Il y a un paradigme qu'il faut renverser. Quand on parle de danger, de privatisation de la culture, je pense pas que ça vienne des sous que des entrepreneurs, que des artistes veulent faire en vendant leurs œuvres. Actuellement, pour moi, le plus grand enjeu, c'est Google, c'est le contrôle des contenus. C'est les grands agrégateurs mondiaux, là, eux, sont en train de s'emparer de la culture et d'en faire une uniformisation avec les algorithmes qu'on connaît. Là, il y a un enjeu extrêmement important. À mon point de vue, le vrai débat c'est la question du contrôle. Est-ce qu'il y a un danger de contrôle des contenus? Et là, la question se pose à toutes les Amazon, c'est pareil. Amazon veut être la plateforme de distribution des livres, et c'est majeur. Quel livre Amazon veut distribuer? Quel livre Amazon va promouvoir? Quand il y en a 2000, c'est pas énervant, mais quand il en reste deux à travers la planète, ça va être énervant. Et si Google, et Google se donne une mission qui est culturelle, hein? La mission de Google, c'est pas de faire de l'argent. C'est de rapprocher les relations humaines dans la société. C'est ça sa mission. De renforcer les relations humaines. C'est un objectif très culturel. Alors, la force de Google, c'est qu'elle réussit à le faire. Je veux dire, puis ça fonctionne, puis il y a une adhésion extrêmement forte. Alors, pour moi, l'enjeu, quand on parle, est-ce que la privatisation, c'est le contrôle qui est fondamental dans le danger d'une société, c'est le contrôle des contenus. Et là, c'est là, je pense que là, il y a une réaction qui dépasse ce que les États peuvent faire, parce que les États ne peuvent rien faire. Les joueurs plus puissants. Oui, actuellement, en tout cas, jusqu'à maintenant. Peut-être que je vais prendre les deux dernières interventions de la salle. Oui, OK. Je pense que pour moi, il y a aussi l'enjeu de la culture du divertissement qui prend une place énorme dans la culture et que les stars qui en viennent aussi à l'environnement parce que les organismes culturels sont jugés par leur. Le nombre de personnes qui vont toucher, puis les arts qui sont inclus, bien, il y a l'argent qui est mis à l'exercement par les arts pour éliminer le plonge en quartier, des millions de dollars, tout ça. Et pour moi, c'est incompréhensible qu'on mette tant d'argent dans des ampoules. C'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de. On pourrait faire un truc. Et c'est beaucoup d'argent qui ne vont pas dans les arts, qui ne vont pas dans l'économie sociale, qui ne vont pas, qui
Pour moi, ça soulève entre autres l'enjeu de la participation citoyenne. Mais quand tantôt on disait si l'État peut tout faire ou pas, il y a toujours une tension qui sera inévitable entre le rôle de l'État qui peut être un financier important, qui peut soutenir, mais la détermination concrète des besoins qui sont ancrés dans les communautés. L'État ne pourra jamais trancher à lui seul ce qui en réalité varie d'une communauté à l'autre. Donc, inévitablement, ça fait poser la question de la participation citoyenne, de la consultation citoyenne. Bon, alors qu'on discute de retirer le droit de faire des référendums dans les municipalités, je trouve que c'est particulièrement à propos. Mais on doit toujours gérer cette tension-là entre le rôle de l'État, et qui se traduit beaucoup par des signes de dollars à la fin d'une phrase, et la détermination même des besoins. Puis là, je pense qu'on a, dans certains cas, et sans présumer de l'importance des lumières ou pas, on trouve pas toujours cet équilibre-là, ou en tout cas, il est difficile à trouver. Moi, je pense que ça pose la question du pouvoir décisionnel. Qui décide de quoi, pourquoi, comment? Qui a décidé que les ampoules, c'était important, puis qu'il fallait mettre je ne sais pas combien de millions de dollars là-dessus? Et pourquoi, et dans quel contexte? Ce serait à creuser, mais... C'est ça démontre l'ampleur de la place que prend les arts et la culture du divertissement, comme tu disais, actuellement, non seulement à Montréal, mais je pense aussi en général dans d'autres grandes métropoles. Très bien, merci. Donc, il me reste à remercier chacun des intervenants. Merci beaucoup de votre présence, de vos lumières sur cette question-là.